Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'établir une liaison avec l'appareil près du camp Cuddle ou de Shifty Shaft. Alors pour réaliser ce défi, soit vous allez au camp Cuddle juste ici ou alors vous allez à Shifty Shaft. Donc moi je vais aller à Shifty Shaft parce que comme ça je vous montre les emplacements du camp Cuddle en attendant de me diriger à Shifty Shaft. Donc il y a trois emplacements au camp Cuddle. Il y a un emplacement de l'appareil de liaison juste ici à côté de la maison rose. Ensuite il y a un autre emplacement près de l'eau. Juste ici, et il y a un troisième emplacement sur la montagne, en dessous de la maison, juste ici. Donc moi je vais aller à Shifty Shaft, hop c'est parti, Shifty Shaft c'est là-bas. Donc il y a trois emplacements aussi, il y a un emplacement qui se trouve près d'ici, près de la route, voilà, et un autre emplacement qui se trouve près de la montagne, vers le dessus, juste ici. Et il y a un autre emplacement qui se trouve plus ou moins dans Shifty Shaft, plus ou moins par ici. Donc moi je vais me rendre à Shifty Shaft et je vais regarder en haut de ma carte, ma mini carte en haut à droite, pour voir où la liaison se fait. Donc là j'ai pas encore de logo qui est apparu, je vais peut-être plus aller par là, voilà, par ici il y a un logo qui est apparu sur ma mini carte et l'emplacement de la liaison est juste là. Alors je pense qu'elle est un peu buggée parce qu'elle est en double, mais ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement passer dessus pour terminer la première étape du défi. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Soikoolo Mike et ciao, peace.